Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 14e épisode de Track Day. Aujourd'hui, 100% Allemagne au programme. On va s'intéresser à une Porsche un petit peu originale qui a fait pas mal parler d'elle à l'époque. C'était il y a 10 ans. Je veux bien sûr parler de la 996 GT2 Biturbo préparée par les frères Alsen. Alors les frères Alsen, parlons-en un petit peu. Si vous ne connaissez pas Jürgen Alsen, qui est l'actuel propriétaire et créateur principal de cette Porsche évoluée, vous voyez qu'elle est vraiment spécifique dans sa conception. En fait, Jürgen Alsen est un pilote de GT allemand qui, vous connaissez sûrement plus son frère Uwe Alsen, qui a longtemps piloté en beaucoup de championnats d'Allemagne de Super Tourisme et de GT, très connu pour être un pilote Porsche, bien entendu, c'est dans les gènes de la famille. Donc Jürgen Alsen a d'abord piloté début des années 2000, fin des années 90, dans tout ce qui était GT, donc la FIA GT, en ALMS, on l'a vu aussi participer à Bathurst avec plusieurs Porsche. Il a remporté quelques courses, c'était un très bon pilote. Et un beau jour au début des années 2000, avec son frère donc Uwe, il décide de construire cette Porsche pour le championnat VLN, championnat exclusivement disputé sur la boucle nord du Nürburgring, la Nordschleife. Alors cette voiture va battre beaucoup de records, notamment le record du tour détenu par l'Opel Astra de DTM, avec la réglementation de l'époque qui était vraiment monstrueuse. Et en 2004, elle va bien sûr battre les BMW qui remporteront, elle par contre, les 24 heures, mais battre les BMW Schnitzer, notamment piloté par Hans-Joachim Stuck à l'époque, les BMW M3 E46 GTR qui étaient juste monstrueuses, que vous avez peut-être vu en FIA GT, notamment aux 24 heures de Francorchamps à l'époque, qui étaient hors réglementation et qui, malheureusement, se sont faites engloutir à cette époque-là. Donc voilà, donc vous découvrez une vue un petit peu embarquée. On va faire simplement un tour de la Nordschleife. Je vais vous laisser profiter de ce mode qui est en version non définitive. Ce n'est pas encore un 1.0. Et si cette voiture vous intéresse, elle est bien entendu disponible dans la section détail de cette vidéo. Les amis, vous connaissez la règle, bien entendu. Montez le son et profitez de ce tour de cette boucle nord qui, certes, n'est pas parfait, mais qui, au volant de cette Porsche, en tout cas, est un vrai, vrai plaisir. Thank you.